Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire la distinction entre une Smart TV et un téléviseur Android. Pour mettre fin à vos questions, voici les bases pour vous aider à faire la différence entre Smart TV et Android TV. Une Smart TV correspond à un téléviseur qui peut fournir des programmes ou des services supplémentaires grâce à une connexion Internet. Chaque marque propose un Smart TV et dans la galaxie des Smart TV, certaines télévisions intègrent le système d'exploitation Android TV dans leur Smart TV. En effet, Smart TV et Android TV sont très similaires. On pourrait même dire qu'une Android TV est fondamentalement un type de Smart TV. Cependant, il existe des différences qui pourraient rendre l'une plus appropriée que l'autre selon vos besoins. Découvrons donc ces différences. Par rapport aux téléviseurs normaux, les Smart TV ont donc la capacité à se connecter à Internet et à accéder à plusieurs plateformes de streaming telles que Netflix, YouTube, mais seulement si elles ont été préinstallées par le fabricant. Ces différentes plateformes sont également accessibles sur une Android TV sous forme d'application exactement comme sur votre smartphone. Étant connectés à Internet, les Smart TV comme les Android TV vous permettent de faire des recherches sur Internet comme sur un ordinateur ou une tablette. Toutes les Smart TV et Android TV sont équipées d'un système vous permettant de diffuser des contenus de votre smartphone, ordinateur ou tablette directement sur votre télé et sans fil, grâce au protocole Miracast ou Chromecast notamment. Petite précision, le système Chromecast présent sur les Android TV ne demande aucun réglage, à l'inverse de certains systèmes Smart TV. Voici la première différence majeure entre Smart TV et Android TV. C'est la richesse des applications pouvant être installées sur les télévisions. Avec l'Android TV, vous avez accès à l'ensemble des applications proposées sur le Google Play Store. Films, musique, jeux ou réseaux sociaux, tout est disponible. Vous avez l'embarras du choix. A l'inverse, les Smart TV ne proposent pas beaucoup d'applications et surtout leur mise à jour n'est pas aussi régulière que celle du Google Play Store. Autre avantage des Android TV, vous pouvez regarder votre série préférée tout en consultant vos emails ou en partageant vos émotions sur les réseaux sociaux, et cela sans quitter votre série des yeux. Pour résumer, les avantages d'une Smart TV sont essentiellement une interface simple, un téléviseur tout en un. Mais il présente l'inconvénient de proposer une bibliothèque d'applications limitée et surtout des mises à jour logicielles peu fréquentes, voire inexistantes, ce qui peut rendre certaines Smart TV obsolètes à moyen terme. Comme nous l'avons vu, les Android TV ont-elles l'avantage de proposer une vaste bibliothèque d'applications comme sur votre smartphone et surtout des mises à jour très régulières. Elles vous donnent accès à tous les contenus Google, Google Play, Google Music, Google Movie et à l'assistant Google. Le seul inconvénient d'une Android TV pourrait être d'avoir une interface un peu compliquée pour les personnes peu familières de l'univers Android. Aujourd'hui, Smart TV et Android TV proposent l'accès à des assistants vocaux. Vous pouvez donc commander le volume ou les chaînes de votre télévision directement par la voix et également poser vos questions à ces assistants. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour bien faire la différence entre Smart TV et Android TV.